Bonjour tout le monde. Alors, je vais être accompagnée aujourd'hui de Sébastien de Frogs in NZ. Salut Seb. Bonjour, ça va Julie? Bonjour à tous. Écoute, je vais te laisser commencer la présentation vu que c'est moi qui vais faire un peu l'introduction. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui en tant qu'expert sur la Nouvelle-Zélande? Alors, merci Julie de nous inviter, hein, pbtis.net. Alors, Frogs, en fait, c'est, je pense qu'un certain nombre d'entre vous devraient connaître. On est un site qui a bon été créé en 2001. C'était initialement un blog qui racontait mon aventure, qui s'est transformé en rédaction de quatre guides de voyage sur la destination, qui ont été publiés jusqu'en 2010. Et ensuite, c'était une app, enfin, bon, toute une histoire. On a fait des services depuis toujours, on fait des services PVT et on a surtout développé en fait, notre partie agence de voyage aussi. On organise beaucoup de voyages pour des francophones en Nouvelle-Zélande, donc on a une grande expertise là-dedans. Voilà, on est tous à Auckland, on est une équipe de 5 actuellement, post-Covid. Avant, on était 8, mais le Covid nous a un petit peu cassé nos petites pattes arrière, comme on dirait. Depuis, on se reconstruit parce que plus personne ne pouvait venir en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc on est une entreprise en fait passionnée de NZ et on est en partenariat avec pvtis.net sur différents produits. Donc, Tout en à fait. quelques mots, froginnz.com. Exactement. De toute façon, comme on le fait toujours pendant ce live, on va vous donner pas mal de liens. Ça peut être des liens officiels, des liens vers Frogs in NZ, des liens vers PVTIST. Vous verrez qu'il y a différentes choses qui peuvent vous intéresser et nos deux sites se complètent plutôt bien. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc PVTIST, on est là depuis plus de 18 ans maintenant. Et on vous donne de l'information gratuite sur le PVT, quelle que soit votre destination. Et aujourd'hui, on va parler de la Nouvelle-Zélande. On vous propose aussi des événements en présentiel et en ligne. Par exemple, la semaine prochaine, on va être à Toulouse, Montpellier et Marseille pour des apéros entre voyageurs de 17h30 à 20h environ. Vous verrez, on a un article sur PVTIS qui s'appelle Événements PVTIS 2023, qui vous permet de retrouver un petit peu tout ça, puisqu'il y a aussi des sessions d'information généralistes qui peuvent vous intéresser, comme prochainement. À la fin du mois, on abordera le budget quand on part en PVT. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour établir le meilleur budget pour votre projet. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les informations que Seb va vous donner, vous allez peut-être devoir établir votre budget si vous voulez acheter une voiture ou un van. Vous allez voir que ça a un petit peu augmenté par rapport à avant. On vous propose également des bons plans sur le site, alors notamment des réductions, des avantages chez les uns, chez les autres, et notamment sur l'assurance auto qui est proposée par Frog, dont on vous parlera tout à l'heure. On est présent sur les réseaux sociaux. En plus des lives qu'on fait sur YouTube et sur Facebook, on fait 1 heure par semaine, 1 heure de questions-réponses en live sur Instagram, sur notre compte Instagram PVTiste. La semaine prochaine, ce ne sera pas possible puisque je serai en vadrouille dans le sud. Mais la semaine suivante, je vous retrouve mercredi midi sur le compte Instagram PVTiste. On est également depuis peu sur TikTok où on vous fait des petites capsules vidéo qui peuvent beaucoup vous intéresser. Et on a également depuis 2023 un podcast qui s'appelle Changer d'horizon, qui vous permettra là aussi d'avoir de l'info pratique et des témoignages d'actuels ou anciens PVTistes. Alors, en guise d'introduction, avant de laisser parler Seb de tout ce qui est achat, location de véhicules, combien ça coûte, comment ça fonctionne, je sais que c'est ça qui vous intéresse beaucoup, je voulais vous préciser 3 petites choses. La première, c'est surtout de ne pas laisser de côté le V du PVT. En Nouvelle-Zélande, encore plus, puisque le pays est quand même assez petit, on a l'opportunité d'aller voir beaucoup de choses. Dites-vous que peut-être vous n'aurez pas l'occasion de retourner en Nouvelle-Zélande dans votre vie. Peut-être que oui, peut-être que vous n'en repartirez jamais, comme Seb et son équipe, mais peut-être que ce sera une expérience de 6 mois ou d'un an, et après, on n'y retourne plus. Donc, profitez des beaux paysages, des activités à faire dont on parlera tout à l'heure. Prenez le temps peut-être d'avoir un budget un petit peu plus conséquent pour sur place ne pas trop vous priver. Il y a beaucoup de choses à faire. Plein de choses sont gratuites, d'autres sont payantes. Et vraiment, j'insiste sur le fait que cette année, elle va vous marquer parce que vous allez vivre tellement de choses, rencontrer tellement de gens. Donc, faites en sorte de ne pas trop vous priver. On passe à quelque chose d'un peu moins romantique, poétique en tout cas, c'est le permis de conduire international. Faites très attention, en tout cas, si vous êtes français. Pour les Belges, je pense que c'est un petit peu plus rapide, mais actuellement, pour demander un permis de conduire international en France, c'est 9 mois d'attente. J'ai lancé ma demande il y a quelques jours. Je vous tiendrai au courant si je l'ai un petit peu plus tôt que ça, mais vraiment, aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps et vous ne pouvez pas simplement conduire avec votre permis français ou belge en étant en Nouvelle-Zélande. Donc, vous allez devoir soit demander
un permis de conduire international, soit vous n'avez pas le temps de le faire. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous tourner vers Frogs in NZ pour faire traduire votre permis de conduire par un traducteur agréé en Nouvelle-Zélande. C'est ce que j'avais fait il y a 5 ans, puisque comme j'aime bien le dire souvent, ça fait 18 ans que je vous dis de faire votre demande de permis de conduire international. Quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'ai oublié. Donc, pour le prix, je crois que c'est une $65 environ. $65 sur 4 jours ouais. Pour le tenir. Ou on a une solution aussi en express, mais ça, c'est généralement pour nos clients qui arrivent. Ouais. Ou d'ailleurs, des PVTistes qui se rendent compte en achetant le véhicule que leur permis français ne marchera pas. Et là, c'est $95 pour l'avoir en 24 heures. Ça reste un bon dépannage. Et là, pour le coup, la traduction est valable 1 an, alors que le permis de conduire international est valable plus longtemps. Mais en Nouvelle-Zélande, dans tous les cas, on peut rouler avec son permis français ou belge que pendant 1 an. Ce qui pose la question des gens qui vont obtenir la prolongation des 3 mois à la fin de leur PVT qu'on peut avoir si on travaille au moins 3 mois dans certains domaines en Nouvelle-Zélande. C'est un peu... La Nouvelle-Zélande se dit, tu nous as donné du temps de travail dans des domaines où on a besoin, on te redonne 3 mois de plus à la fin de ton PVT. Et bien, dans ce cas-là, il faut échanger son permis de conduire français ou belge pour un permis néo-zélandais. Ou alors, on se dit que sur les 3 derniers mois, on ne va pas voyager. Enfin, on ne va pas conduire, pardon. On vous laisse regarder tout ça et on vous met en commentaire différents liens sur l'échange de permis de conduire en Nouvelle-Zélande et sur le permis de conduire international et également sur la traduction qu'on peut faire auprès de Frogs. Vous verrez que tout au long du live, on va mettre des liens en commentaire, mais rassurez-vous, dès qu'on aura terminé, j'irai sur notre chaîne YouTube sous la vidéo qui restera en replay et je vous mettrai tous les liens. Vous n'êtes pas obligé de les noter maintenant. Dernière chose avant de te laisser la parole, Seb, est-ce que c'est indispensable d'être véhiculé en Nouvelle-Zélande pour travailler ? Non, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique quand on a un véhicule pour aller dans les fermes, pour aller à tous les endroits qui ne sont pas forcément accessibles. Mais moi, j'ai connu des gens en Nouvelle-Zélande, et il y en a tous les ans, qui arrivent à se glisser tous les matins dans une voiture ou dans un van en donnant quelques dollars par semaine à quelqu'un avec qui ils travaillent, qui peut les emmener au travail et les ramener le soir. Donc, voilà, c'est... On n'est pas obligé d'acheter un véhicule pendant un PVT en Nouvelle-Zélande. Il y aura des challenges un petit peu différents pour le voyage et pour le travail, mais c'est pas obligatoire. J'ai réussi à passer 1 an en Australie sans van ou sans véhicule. J'avais même pas le permis de conduire. Pourtant, le pays est immense. Si j'ai réussi à le faire, vous pourrez aussi le faire en Nouvelle-Zélande. Je te passe maintenant la parole pour la question achat ou location de véhicule. Très bien, merci Julie. En fait, oui. Acheter ou louer un véhicule, la différence principale, ça sera la durée, votre durée de voyage. Nous, on a remarqué cette année que les PVTistes, un certain nombre, viennent moins longtemps que les 9 ou 12 mois. Et que donc, si vous venez, par exemple, là, on a fait quelques simulations avec l'équipe voyage sur une location, par exemple, d'un Escape, un véhicule équipé avec un hayon arrière, on peut dormir dedans et faire sa cuisine à l'arrière, un truc un peu de base, mais assez sympa. Et par exemple, sur 3 mois, ça coûterait, avec l'assurance incluse, qu'il faut toujours prendre l'assurance incluse dans ces cas-là, hein, sinon le moindre problème, ça vous coûte des fortunes. C'est 12 000, par exemple, $12 000, donc ça veut dire 7 000 € sur 3 mois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules à l'achat en Nouvelle-Zélande, avant le Covid, on pouvait se trouver des véhicules entre 6 et 10 000 $. Maintenant, les véhicules, c'est plutôt dans les 8, 15, 20 000 dollars. Les prix ont beaucoup monté, ça a pris au moins 30 ou 40%. Ça veut dire que c'est similaire, on va dire que ça va vous coûter entre 7 000 et, on va dire, entre 7 et, enfin, entre, allez, 5 000 et 8 000 €, pour un véhicule self-contained qui sera d'ailleurs, entre 1995 et 2005. Généralement, les vannes qu'on trouve ont bien une vingtaine d'années, comme ça, ou 25 ans, ou plus. Et donc, bon, ça pose la question de prendre un vieux véhicule, de l'acheter, et donc ensuite il faut l'assurer et des risques qu'on prend quand on roule, des accidents, tout ça. Bon, évidemment, si vous venez pas très longtemps, le mieux ce serait de louer. Maintenant, si vous voulez un van beaucoup plus confort, il y a aussi des Juicy Chaser. Donc ça, c'est des véhicules où on a les sanitaires à l'intérieur. Là, c'est beaucoup plus cher. Ça sera par exemple $24 000 pour les 3 mois. Sachant que si vous voyagez en basse saison, là c'était des prix que je vous ai donné en haute saison. Si vous voyagez en basse saison, c'est avril, on va dire de avril à novembre. On peut diviser ces prix par 2. Donc il faut savoir que location, ça peut être une bonne option en basse saison. Maintenant, donc, quelle est la meilleure période pour acheter son véhicule ?
Grosso modo, ce qu'on se rend compte depuis toujours, c'est que les PVTistes viennent entre octobre et février. Quoi. Ça, c'est la grande arrivée au février. Donc, le marché, beaucoup plus tendu à cette période. Si vous, arrivez plutôt entre mars et septembre, mars-octobre, vous aurez plus l'occasion de récupérer les véhicules que les gens revendent. Donc, il vaut, si vous avez la possibilité de venir plus tôt, vous aurez les véhicules, vous aurez plus de choix et vous pourrez plus négocier. La difficulté, c'est qu'évidemment, vous arriverez avant l'hiver ou en hiver. Donc, c'est un peu à vous de voir. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on achète un véhicule? Là, on va rapidement sur tous les aspects. Hein. À quoi faire attention? Alors, évidemment, il y a pas mal de sites. D'abord, où acheter? Il y a des groupes Facebook qui existent. On mettra les liens sur les, je pense, en commentaire. Il y a des groupes Facebook qui existent sur le van buy, sell vans and camper vans in New Zealand. Il y a aussi des TradeMe qui est le site, on va dire, le bon coin local. Mais il faut être sur place pour pouvoir utiliser le service. Je crois qu'il y a un problème. Je ne sais pas si on peut actuellement se créer un compte de l'étranger. Donc, il faut être sur place. Et puis, ensuite, on a d'autres. Et puis, évidemment, il y a des auctions. Il y a un site d'auction, ça s'appelle Turners. Enfin, on vous mettra un peu tous ces liens. D'ailleurs, vous les trouverez dans notre. On a un guide d'achat hein, sur notre site frogsinasset.com/pvt. Acheter un véhicule. Dedans, il y a toutes les infos. Hein. Je vous fais rapidement un résumé. Donc, où trouver, ça sera ça. Ce qu'il faut faire attention, il y a des arnaques. Donc, il ne faut pas acheter. Généralement, il ne faut pas acheter à distance parce qu'il faut pouvoir voir le conducteur, le propriétaire. Souvent, il arrive des gens qui vous promettent de vous louer un véhicule. Ils ne sont pas en Nouvelle-Zélande. Ils vous font un truc où il faut commencer à payer quelque chose via Western Union et en fait, vous ne récupérez jamais aucun véhicule. Il faut voir la personne. Ce qu'on conseille, c'est de faire deux choses importantes. C'est avec la personne sur place, c'est de prendre un VIR, donc c'est un Vehicle Information Report. On va mettre le lien aussi. Ça permet de voir toutes les informations sur le véhicule. Est-ce qu'il est gagé? Est-ce qu'il est enregistré? Est-ce qu'il a sa registration, donc son régo? Est-ce qu'il a son warrant of fitness? Est-ce qu'il a son contrôle technique? Tous les propriétaires du passé, est-ce que l'odomètre, est-ce que le kilométrage n'a pas été trafiqué? Donc, il y a tout plein d'informations dans ce rapport. Ça coûte 14 $, donc quelque chose comme 7 €. Ce n'est même pas la peine d'y réfléchir. Ensuite, ça, c'est la première chose. Et voir si le propriétaire est bien le propriétaire du véhicule. C'est indiqué dedans. Ça vous donnera normalement l'information. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est une inspection, ce qu'on conseille, à moins que vous soyez très bon en mécanique et que vous soyez vous-même capable de mesurer, de voir si l'huile moteur est en bon état, s'il n'y a pas un problème avec le gasket, le joint de culasse ou si les freins sont bons, tout ça. Il y a en fait deux sociétés, on en a identifié deux, hein. Il y a AA, Automobile Association, et un autre dont j'ai oublié le nom qui est sur la page. Qui font des services mobiles d'inspection de votre véhicule. Donc, en fait, ils arrivent et pendant une heure et demie, ils vont faire le tour du tout le véhicule et ils vont rendre un rapport. Donc, ça vous permet d'avoir assez rapidement, dans la journée ou le lendemain, un rapport sur le véhicule. Il y a une autre façon aussi de faire, c'est avec le vendeur, s'il est motivé, c'est d'aller tous les deux à un VTNZ, Vehicle Testing New Zealand, un centre de test. Qui font aussi ce type de service. Et vous pouvez avoir on the spot, sur le moment, un rapport sur le véhicule. Bon, ça reste malgré tout, vous achetez un vieux véhicule, il faut savoir que vous aurez, c'est un peu malgré tout l'épée de Damoclès. Ça sera à vous d'avoir ce qu'on appelle, il faut savoir le mot lemon, ça c'est un petit truc. Lemon, c'est un véhicule pourri dans le langage néo-zélandais. Donc, faites attention à ne pas acheter un lemon. Mais bon, généralement, ces véhicules sont entretenus plus ou moins bien. Donc, espérons que vous aurez de la chance. On croise les doigts. Alors ensuite, comment la procédure d'achat? Alors, l'idée, c'est qu'après avoir payé, bon, ça, je passe là-dessus. Soit vous pouvez parfois payer la personne en euros sur son compte bancaire en France. Mais sinon, il faut vous ouvrir un compte en Nouvelle-Zélande. C'est plus facile. Ou sinon, vous utilisez Wise. Enfin, tous ces aspects, je pense qu'il faut les voir sur les sites de PVTist ou de Frogs. Quand vous avez acheté le véhicule et que la preuve est faite, le mieux, c'est d'aller avec le vendeur dans un post-shop.
donc un bureau de poste en Nouvelle-Zélande, et de signer des... Il y a des formulaires qui sont à prendre directement sur place, de les remplir et de mettre le véhicule à votre nom. Donc ça coûte pratiquement rien, hein, ça coûte 19$, je crois, quelque chose de ridicule. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est important, c'est de prendre aussi une assurance. Alors, l'assurance, elle n'est pas obligatoire en Nouvelle-Zélande, donc vous n'êtes pas obligé de la prendre. Mais sachez que c'est vraiment à vos risques et périls. D'abord, il y a deux types d'assurances principales. Donc, Frogs propose ses assurances. Elles sont très recherchées. Je dirais populaires, mais ça ne se dit pas en français. Elles sont tous les jours, il y a beaucoup de PVTistes qui la prennent. D'abord, parce que nous, on est là en conseil. On a sur notre page, sur notre site, toutes les informations sur une FAQ très complète pour vous préciser quel type d'assurance vous pouvez, quelles sont les conditions d'assurance et quand vous avez des accidents, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais donc, il y a deux types d'assurance. L'assurance au tiers, donc c'est si vous avez un accident avec un tiers, donc les réparations du tiers, c'est-à-dire que ce ne sera pas à vous de payer les réparations du tiers. Par contre, c'est la limite, c'est-à-dire que si vous avez un accident, votre véhicule est abîmé ou n'est plus utilisable, vous perdez votre véhicule. Donc, on conseille de prendre plutôt la comprehensive, donc c'est la tout risque. Avec ça, vous avez la possibilité donc de que vos réparations de votre véhicule soient prises en charge et que si jamais il est un write-off, comme on dit, c'est-à-dire s'il est plus du tout, s'il ne peut plus être utilisé, s'il doit aller à la casse, donc, il peut vous être remboursé. La valeur déclarée, il y a des techniques, il faut regarder la technicalité dans les FAQ, on ne peut pas déclarer n'importe quoi, il faut que vérifier la valeur de son véhicule sur un site qu'on propose, parce que ça, c'est important de ne pas déclarer n'importe quoi, de ne pas croire que si on met ma véhicule vaut 15 000$ et qu'en fait, sur le marché, il vaut 7 000, vous n'allez pas être remboursé des 15 000$. Il y a des petites technicalités de ce genre. Donc ça, c'est sur l'assurance. Parlons de la certification self-contained. Souvent, si vous prenez un van, bon, maintenant vous avez le choix de prendre une voiture et de voyager en backpacker, de dormir dans des auberges, on appelle des backpackers, ou par exemple de faire du woofing, ou même de ne pas prendre de voiture du tout. Bon, si vous prenez le choix entre voiture et van, ça c'est à vous de voir. Maintenant, si vous voulez un van qui vous permet de dormir dans plein de sites qui sont autorisés à cela, il faut qu'il soit self-contained. Donc ça veut dire qu'il soit. Comment on dit en français ? Autonome, enfin, ouais. Un truc un peu comme ça. Voilà, c'est ça, qu'il soit autonome. Donc, il est toilette, récupération des eaux usées, enfin, toutes ces choses-là. Mais depuis le début du mois, 2023, là, depuis début septembre, les lois sont devenues de plus en plus contraignantes. Avant, on pouvait avoir un toilette qu'on sortait du véhicule et un petit toilette portable et ça marchait. Maintenant, à partir de maintenant, il va falloir qu'il soit fixé dans le véhicule. Donc, ça complique. Ça va compliquer les règles. Maintenant, les véhicules qui existent actuellement, il y aura une période de latence qu'il faudra qu'on vérifie. Normalement, ils sont encore en train de... Comme la loi est toute neuve, normalement, sur l'année qui vient, on pourra encore acheter des véhicules avec des toilettes portables et ça sera encore possible. Mais progressivement, vous ne pourrez plus voyager sans un véhicule self-contained. Enfin, vous pourrez voyager, mais vous ne pourrez plus dormir dans des endroits autorisés au self-contained si vous ne respectez pas les règles contraignantes d'avoir un toilette, d'avoir un évier à fixer, d'avoir un tuyau opaque pour l'évacuation de vos eaux usées. Enfin, il y a un certain nombre de règles qui sont expliquées sur notre site. Sur notre blog, en fait, on a un article sur le self-contained. Je pense que vous l'avez peut-être aussi sur PVTist. Oui, par contre, on n'a pas mis à jour avec les récents changements, donc ouais. C'est bien si... J'ai regardé un peu hier, j'ai remis un peu à jour, il faudrait qu'on continue à mettre à jour. De toute façon, voilà. Alors, l'autre option, c'est d'acheter un van qui n'est pas équipé et de l'équiper vous-même. C'est ce que j'avais fait, moi, en 2001. Il y a encore des gens qui font ça. Si vous achetez, par exemple, à Turner's, donc en auction, des vans, ils seront tout vides, ça sera des vannes d'anciens artisans, ils sont tout vides et donc vous pouvez les équiper vous-même. Et donc là, il faudra bien suivre les règles et il existe des kits qui sont vendus par certaines sociétés, des kits de, par exemple, évier, bloc évier avec réservoir d'eau et tout en un bloc pour 300$ ou des toilettes et tout ça. Donc ça, vous pouvez vous-même construire autour, mais ces kits-là seront très utiles pour construire votre van si vous voulez passer par cette option. Et ensuite, il faudra le faire certifier. Donc, on a un article où on présente en fait des partenaires. Il y a deux partenaires qui parlent de ça.
et qui permettent, bah, qui viennent en fait et qui vérifient que vous répondez aux critères, et vous aurez votre petite sticker bleu self-contained, qui est un peu le sésame pour ensuite dormir dans les campings du doc, sur les sites identifiés par des apps comme CamperMate ou Rankers, les apps, donc les sites gratuits qui vous permettent de dormir, passer la nuit, tout ça. Donc bon, ça, c'est important de connaître cet aspect self-contained. Alors, vivre dans son van long terme, on en parlait avec Julie, elle m'a dit il faudrait que tu rajoutes ça, parce que c'est vrai que c'est un aspect important. C'est vrai que l'été, c'est génial, on ouvre le hagnon arrière, on se fait la cuisine dehors, tout ça. Bon, parfois, il pleut, bon, enfin, on arrive tranquillement à gérer ça. Par contre, l'hiver en Nouvelle-Zélande, il y a une grande partie du pays, on va dire, grosso modo, on va dire à 100 km au sud d'Auckland, il fait vraiment assez froid, la nuit surtout. Donc, c'est difficile de vivre dans son van toute l'année. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, vous allez vous mettre soit dans des backpackers pour travailler et travailler la journée, par exemple, ou il y a des autres options qui sont le Helpix ou le Woofing. Donc ça, bon, il y a toujours plein d'articles, hein, PVTist ou Frogs ont des articles sur le sujet. Ce sont donc du travail contre hébergement, contre couvert, c'est comment on dit ça, couvert Logé, nourri, blanchi, ouais. Logé, blanchi, ouais. Une machine à laver, ouais. Ouais, exactement. Donc dans ces moments-là, votre van, bah, il va être garé, vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas vivre dedans, mais c'est en hiver assez, ça peut être difficile de vivre, surtout dans l'île du Sud, où les températures descendent en dessous de 0, moins 5, moins 10, dans les régions alpines de Queenstown, Wanaka. Donc ça, c'est un aspect important à connaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Est-ce que voilà, oui, je voulais parler aussi, donc la technicalité sur le van, il y a certaines choses à connaître. Donc, comme en France, il faut son contrôle technique qui s'appelle le Warranty of Fitness, qui doit être fait tous les 6 mois pour les vieux véhicules. Donc, ça coûte 45-50 $. Ça se fait dans quasiment tous les garages ou dans les VTNZ, donc les Vehicle Testing Station. Donc, ça prend une demi-heure, enfin, ça prend une heure, on va dire. Et ensuite, on vous appose un petit sticker. Et ça, c'est nécessaire pour avoir ça, pour renouveler sa registration. Donc ensuite, la registration, c'est votre droit de rouler, on va dire. C'est votre vignette, quoi. C'est un peu la sorte de vignette. Et donc ça, bah ça y a, je crois qu'on a des liens, on aura des liens en dessous qui vous donneront le coût, mais c'est aussi à renouveler tous les X, soit 6 mois, soit 1 an. Et donc il y a un certain coût, et c'est aussi un petit label à mettre sur votre pare-brise intérieur. Si vous avez un véhicule diesel, vous aurez en plus, comme le prix du diesel est à la pompe est moins important, le gouvernement néo-zélandais a mis en place depuis très longtemps un système qui s'appelle Road User Charge, donc c'est-à-dire c'est une taxe sur les véhicules diesel, et donc vous achetez en fait par mille kilomètres. Par exemple, votre véhicule, il est à 215 000 km et vous voyez que sur votre label, il y a écrit que vous avez votre RUC ne marche que jusqu'à 216 000 km. Ben, il va falloir que vous renouveliez ça pour que vous soyez toujours dans les clous de votre vignette. Donc, ça sera écrit sur votre vignette, et si la police vérifie, ils regarderont votre odomètre. Ils vont regarder si votre RUC est à jour. Et voilà, l'idée, ça sera que ça soit à jour. Et ça, ça coûte... ça dépend du véhicule. Je ne sais plus exactement, d'ailleurs. Moi, j'ai un véhicule diesel et ça coûte assez cher, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un concept un peu bizarre. En fait, on achète le droit de rouler en avance. Voilà, ouais. Comme tu disais, 1000 km. Et avant d'atteindre ces 1000 km, il faut penser à racheter les suivants. C'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour nous, mais voilà. Et sinon, bah, vous achetez un véhicule essence et la question ne se pose pas. C'est ça. Ouais, tout à fait. Est-ce que j'ai oublié des choses rapidement? Là, j'ai été un peu rapide, mais je ne sais pas si c'est ce que tu voulais. Moi, je trouve ça très bien. De toute façon, les gens pourront poser des questions en commentaire. Il y a Nicolas qui dit quelque chose de drôle. Les véhicules en Nouvelle-Zélande sont remplis de vignettes, non? Est-ce que tu as parlé de beaucoup de vignettes? Bah oui, ils ont, si tu as un véhicule diesel, ils ont 3 vignettes. Hein, il y en a une, celle qui est collée par le garagiste, et les autres, c'est toi qui les gères dans une petite pochette transparente. Ouais. Ok, très bien. Bah, c'est important à savoir. Et puis, tout à l'heure, tu parlais un peu des choses pour ne pas se faire arnaquer, etc. Je pense à des copines qui sont arrivées en Nouvelle-Zélande. Elles ont acheté un van et elles avaient peur de rouler de l'autre côté de la route. Du coup, puisqu'en en Nouvelle-Zélande, donc on roule à gauche. Dans le véhicule, on est à droite et
voilà, on utilise sa main gauche pour faire drive, etc. Et en fait, elles étaient mal à l'aise. Du coup, elles ont acheté le véhicule sans l'essayer. Il a tenu, mais péniblement, elles ont beaucoup de problèmes avec. Donc, vraiment, essayez votre véhicule, roulez avec, écoutez, regardez s'il y a des bruits bizarres, s'il y a des choses qui coulent. Et puis, il y a la technique de l'aimant. Emmenez un petit aimant avec vous ou achetez-en un là-bas. Si vous passez sur le véhicule avec un aimant et que l'aimant adhère, c'est que ça va. Mais s'il n'adhère pas, ça veut dire qu'il est très rouillé et qu'ils ont simplement repeint le véhicule. C'est la petite astuce que donnait mon ancienne collègue Marie. Qui a eu des soucis avec son van aussi en Nouvelle-Zélande. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant que Seb évoque la location et l'achat, parce que moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, donc je fais partie de celles qui ont squatté les vans des autres, donc j'en ai pas acheté un. Et en fait, je me suis rendu compte que quand même, il y a beaucoup de moments dans l'hiver, notamment sur l'île du Sud, où on ne va pas dormir dans son van, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, je me suis dit, tiens, si je venais passer un an ici, est-ce que vraiment j'achèterais un van ou est-ce que je voyagerais autrement avec d'autres moyens de transport et je louerais de temps en temps un véhicule La question se pose. De même que j'avais connu une fille qui avait acheté une voiture assez peu chère et qui dormait qu'en auberge. Au final, qui a dépensé le plus entre ceux qui avaient un van et qui dormaient dedans, mais pas tout le temps, et elle qui dormait toujours en auberge, mais qui avait sa voiture pas très chère? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça, on voulait vous mener la réflexion. Ensuite, vous déciderez pour vous ce qui est le mieux. Alors, moi, maintenant, du coup, je pense que c'était bon au niveau de ta partie pour l'achat et tout. Oui, après, c'est vrai que c'est... Il peut y avoir d'autres choses, mais bon, on répondra aux questions s'il y en a. Je vois qu'il y en a, donc on va les noter, puis on les prendra à la fin, effectivement. Alors, les autres moyens de transport en Nouvelle-Zélande, évidemment, on est obligé de nommer le bus. Vous allez passer par une société qui s'appelle Intercity. Auparavant, il y avait plus d'entreprises, mais il y en a qui ont fermé pendant la pandémie. Donc maintenant, c'est Intercity. C'est pas très cher. Et honnêtement, il y a beaucoup d'arrêts dans beaucoup de petites villes aussi. Ça vous permet, notamment, comme on le disait tout à l'heure, si vous ne voulez pas tout le temps être en véhicule, de quand même voyager dans le pays. Bien sûr, ça ne vous emmènera pas forcément par le petit chemin sur la droite qui avait l'air super beau. Là-bas, là-bas. Non, ça, c'est sûr que pour ça, il faut son propre véhicule ou en louer un. Mais ça peut quand même bien vous dépanner. Vous avez la possibilité sur des longs trajets de dormir dans le bus, en fait, de faire un trajet de nuit, ce qui vous économisera une nuit d'auberge de jeunesse, ce qui peut être intéressant. Vous avez aussi des trains. Vous pouvez regarder sur le site kiwirail.com. co.nz qu'on va aussi vous mettre en commentaire. Par contre, c'est souvent des trains qui sont un peu chers et c'est pas des trains comme chez nous avec plein d'opportunités de voyage. C'est vraiment limite des voyages un peu scéniques dans des régions assez touristiques. Donc, c'est pas forcément le moyen de transport qu'on va utiliser le plus. Le ferry, ça va être obligatoire de le prendre si on veut voyager entre les deux îles de la Nouvelle-Zélande sans prendre l'avion, notamment parce qu'on a un véhicule. Donc ça, vous avez deux compagnies qui existent, c'est Inter Islander et Blue Bridge. Les prix sont généralement assez similaires, mais n'hésitez pas quand même à comparer ça. On va vous mettre aussi le lien vers le site du gouvernement néo-zélandais qui vous parle de ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette de le faire en ferry parce que je suis allée de Wellington à Picton, c'était Picton ou pas? Ouais, je crois que c'était ça. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. En arrivant dans l'île du Sud, ben, on est dans des fjords. C'est pas les plus beaux fjords de la Nouvelle-Zélande, mais c'est quand même génial, je trouve. Si, comme moi, vous aimez bien aller sur un bateau comme ça quelques heures, et en plus voir ce paysage, je trouve que c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Vous pouvez aussi faire du covoiturage, alors soit avec des gens que vous avez rencontrés qui sont devenus vos potes, par exemple, soit vous pouvez trouver des annonces sur, par exemple, le site Carpool World ou le site coseats.co.nz. Je pense que vous pouvez même en trouver sur des groupes Facebook, bien évidemment. Ça vous permet de répartir les dépenses en termes d'essence ou d'éventuels péages, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de routes à péage en Nouvelle-Zélande. Vous n'êtes pas responsable s'il y a une roue qui crève, si la boîte de vitesse explose, c'est n'importe quoi évidemment, ce n'est pas votre problème. Vous êtes juste covoitureur, mais vous avez des dépenses légères, mais qui vont arranger aussi votre conducteur qui va un petit peu réduire son trajet. Vous pouvez faire du stop aussi. Attention, ce n'est pas autorisé partout. Il y a des routes dangereuses comme les autoroutes, etc., où on ne va pas en faire. Mais vous avez la possibilité de favoriser ce moyen de transport. On a sur pvtis.net deux choses qui peuvent vous intéresser. Un dossier sur le stop avec un gros focus Nouvelle-Zélande. Ça avait été écrit par un de nos anciens rédacteurs qui avait voyagé que comme ça
pendant son PVT Nouvelle-Zélande. Et aussi, on a un témoignage plus récent de Chloé, qui elle aussi a décidé de faire tout son PVT en stop, toute seule. Donc, si elle a la question de est-ce que c'est dangereux, surtout quand on est une femme seule, etc., vous verrez un petit peu ce qu'elle vous donne comme conseil dans ce récit-là. En tout cas, elle avait l'air de vraiment y arriver. Moi, j'ai eu affaire au stop une fois, après une randonnée au Tongariro qui s'est arrêtée un jour avant ce qui était prévu parce qu'il y avait une très mauvaise météo, etc. Du coup, là où j'avais garé mon van, où je devais terminer ma rando, bah, j'étais pas là. Du coup, j'ai dû arrêter un jour avant de rando. Et donc, j'ai fait 3 stops à la suite pour m'emmener à mon van qui était garé. Et du coup, c'était super sympa. Alors, des fois, on a un peu peur. On se dit, est-ce que les gens vont s'arrêter? Mais au final, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un quand même qui va s'arrêter. Si on se laisse un petit peu de marge, éviter de commencer juste avant la tombée de la nuit, ce genre de choses. Si vous êtes un grand sportif, bien sûr, vous pouvez faire traverser toute la Nouvelle-Zélande à pied. Je ne l'ai pas noté dans les liens, mais peut-être que Annelies, tu pourras le prendre. Le récit de Dylan qui avait fait le Te Arawara Trail, qui traverse toute la Nouvelle-Zélande à pied. C'est un beau challenge à relever. Mais on a aussi un récit de quelqu'un qui a voyagé en Nouvelle-Zélande à vélo. Franchement, ça grimpe en Nouvelle-Zélande. Moi, je ne le tenterai pas. Peut-être que toi, Seb, oui. Ah, moi, je suis admiratif des gens qui font la Nouvelle-Zélande à vélo. Hein. Ouais, non aussi. Seulement pour les montées et les descentes, mais surtout aussi parce que les routes sont pas très très larges. La majorité des routes sont pas très très larges et les gens roulent quand même. Enfin, je veux dire, l'ambiance entre vélo et automobilistes est un peu pas terrible en Nouvelle-Zélande, je trouve. Intéressant. Personnellement, je déconseille, mais bon. Ok, bon alors en tout cas, si vous le faites au moins sur des petits tronçons, peut-être que le récit de Muriel qu'on va vous mettre en lien. Par contre, voilà, par contre, VVT, en VTT, en vélo tout terrain, VTT. VTT, ah oui, du coup, PVT, VVT, VTT. Il y a énormément de trails qui ont été développés partout en Nouvelle-Zélande pour les gens qui font du VTT, ça devient un paradis. Ah bah génial, bah, donc voilà, c'est possible effectivement d'envisager de voyager comme ça. Ensuite, vous pouvez bien sûr prendre l'avion. On va nommer la compagnie Air New Zealand, qui est la compagnie nationale néo-zélandaise, et aussi Jetstar, qui est une compagnie low cost, qui peut vous permettre de voyager en Nouvelle-Zélande, voire en Australie, si vous avez envie d'aller y faire un petit tour, ou même dans d'autres pays. On vous rappelle qu'en PVT, vous avez droit de quitter la Nouvelle-Zélande et d'y revenir, en sachant qu'un vol interne, par exemple, de Auckland à Christchurch, ça peut coûter 40-50 $. Ça dépend de la période, ça dépend de combien de temps à l'avance vous l'achetez. Parfois, quand on n'a pas le temps, quand on a un boulot qui nous attend ou parce que on a, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas de véhicule et qu'on n'a pas envie peut-être de prendre le ferry parce que c'est long, c'est aussi des coûts. Bon, c'est possible de prendre l'avion. Ensuite, pour vous loger pendant votre voyage, si vous n'êtes pas en van, eh bien évidemment, il y a des campings qui évoquaient tout à l'heure. Seb, quand vous êtes en véhicule self-contained, vous avez accès à tout. Quand vous ne l'êtes pas, vous avez quand même accès à plein de campings. Je vous rassure, le self-contained peut être un objectif pour vous ou pas. On vous laissera regarder un petit peu tout ça. Sur le site du DOC, le Department of Conservation, vous allez tout le temps entendre ce nom, le DOC ou le DOC, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup d'informations sur beaucoup de choses et notamment, on va vous mettre 2 liens. Le lien vers le site du DOC sur les campings de l'île du Nord et le lien pour les campings sur l'île du Sud qui peut bien, ces liens peuvent bien vous aider à trouver où dormir la nuit prochaine. Et vous avez bien sûr l'application CamperMate qui est vraiment très bien, indispensable, je dirais, pendant un voyage en Nouvelle-Zélande. On y trouve les toilettes publiques, les douches, les campings et aussi des choses à faire. Donc, ça peut être quand même pratique qu'on voyage en véhicule ou autrement. On a toujours besoin de trouver des toilettes et moi, on était plusieurs à voyager. On avait trouvé ça vraiment super bien en Nouvelle-Zélande. C'est beaucoup mieux équipé que chez nous en France. Il y en a partout. En fait, c'est propre. C'est cool. Ils sont généralement dans des endroits superbes, les campings du DOC, ouais. Exactement. Et puis, il y a des douches aussi. Pareil, si vous voyagez un petit peu routes, etc., et ben voilà, vous trouverez également des douches. On va maintenant vous parler un peu des paysages, de l'aspect touristique en Nouvelle-Zélande, des caractéristiques pardon, de l'île du Nord et l'île du Sud. Et là, je te rends la parole, Seb. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est un archipel d'îles sur le Pacific Ring of Fire. Donc, sur le... comment on dirait sur la... Pacific Ring of Fire. Tu sais, ça passe par le Japon, la côte ouest des États-Unis, la ceinture de feu du Pacifique. Voilà, ceinture. Okay. Et donc, ça veut dire que sa morphologie est vraiment influencée par le volcanisme.
Donc l'île du Nord, il y a les deux îles, les deux îles principales, on va dire, parce qu'il y a plein d'autres îles, mais les deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud, sont très différentes. L'île du Nord est vraiment d'abord à son origine est beaucoup plus volcanique que l'île du Sud. Donc vous verrez, le centre est composé du Tongariro, donc le Mondoum du Seigneur des Anneaux a été filmé là. Tout le reste du pays, le reste de l'île du Nord, on va dire, allez, pour faire une grande généralité, c'est un peu Hobbiton, la comté. C'est-à-dire, c'est très vallonné, de grandes prairies, beaucoup d'élevage. Et puis, l'île du Nord, quand on est voyageur, on est beaucoup plus orienté, en fait, soit vers le volcanisme, bien sûr. Donc, il va y avoir des grands lacs d'origine volcanique, il va y avoir le géothermalisme qu'on trouve à Rotorua, mais surtout aussi les côtes. Les côtes sont magnifiques. Toute l'île du Nord, la côte est, ce sont des criques ou des grandes plages de sable blanc. La côte ouest, très différente, c'est du sable volcanique. Donc, en fait, on est très attiré par les côtes, on va dire, sur l'île du Nord, attiré par le volcanisme, attiré par le géothermalisme. Et puis, en région, comme c'est l'inverse de l'hémisphère nord, l'île du Nord est plus chaude que l'île du Sud. Parce que, évidemment, on est dans l'hémisphère sud, donc plus on va au nord, et plus il fait chaud. Et on est en saison inversée. Donc, quand vous partez d'ici en été, ce sera l'hiver là-bas et inversement. Donc, l'île du Nord, c'est ça. L'île du Sud, c'est très différent. C'est une île qui est construite principalement autour de son épine alpine. Donc, du nord au sud, on a une grande chaîne de montagnes alpines qui culmine à 3754 mètres avec le mont Cook. D'un côté, c'est extrêmement pluvieux, c'est donc extrêmement luxuriant. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est un climat très continental. Et donc, vous serez surpris en passant, par exemple, de la côte ouest de Haast Pass, où vous êtes dans une forêt ultra luxuriante. En 2 heures, vous avez passé le Haast, les montagnes, vous arrivez à Wanaka, Queenstown, et là, c'est de la lande. Donc, les vents dominants, les pluies dominantes, les 50e hurlants, les 40e rugissants se bloquent sur les montagnes et donc elles déversent énormément d'eau d'un côté et de l'autre, c'est beaucoup plus sec. Donc, ça fait des climats et des paysages dramatiquement différents. C'est pour ça que, par exemple, les fjords de l'île du Sud ont eu dans le passé des énormes Ah, zut, petite coupure. glaciers qui détruisent, on va dire. Et qui font des paysages extravagants, et là très luxuriants. Et puis on passe dans la région d'Otago, et là on est dans la lande sans forêt. Ensuite, on a. Donc ces paysages sont beaucoup plus dramatiques dans l'île du Sud, plus alpins, et on est plus tourné vers l'intérieur, donc on est plus tourné vers la chaîne alpine que vers les plages. Les plages sont beaucoup plus sauvages, on se baigne pas dans l'île du Sud par exemple. L'eau est beaucoup trop froide toute l'année. Donc, c'est les deux caractéristiques principales. Et puis, il y a une troisième île tout au bas qui est l'île de Stewart. Un peu un mélange des deux îles d'ailleurs. Enfin, on vous laissera découvrir ça pour les plus Oui, littéraires. tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aller sur l'île de Stewart, pour le coup, c'est pas donné. Moi, j'ai eu la chance quand j'y étais d'y aller parce que, bon, bref, je passe les détails, mais j'ai de la chance d'y aller pour faire un petit tour de nuit pour essayer d'apercevoir un kiwi bird. Les kiwis sont très durs à apercevoir. Peut-être que Les tu en as araignées. peut-être jamais. Moi, j'en ai vu un, du coup. Ouais, Ouais. moi aussi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Néo-Zélandais qui m'avaient dit, ah, moi j'en ai jamais vu. C'est vrai que c'est assez rare. Là, via ce tour, donc on est avec des lampes rouges. Enfin, nous on n'en a pas. Hein. C'est vraiment le guide et on en a vu un petit. Et c'est voilà, c'est tout mignon. Mais c'est très Rigolo. Mais ce qui est marrant, c'est que nous, sur l'île Stewart, on avait fait tout le tour en forêt avec notre lumière rouge et tout machin, on ne trouvait pas. Et puis on ressort de la forêt de nuit, bien sûr, parce que ça se fait de nuit. Et on est sur le terrain de foot. On est sur le terrain de foot au bord de Oban, le tout petit village, petit port. Et là, il y avait des kiwis, en fait. Ils étaient sur le Oui. terrain de foot. Alors, ils ne jouaient pas au foot, mais ils étaient en train de picorer. On était là, on avait fait tout le tour. Un grand tour en forêt, finalement, de nuit, pour les voir finalement au bord de là. Donc, c'est un bon plan. Allez voir le terrain de foot de Stewart à Oban, sur Stewart Island, et vous pourrez probablement voir des kiwis. Ouais, ce qui est plutôt cool, effectivement. Alors, je vais prendre quelques minutes là pour. Je crois que tu étais pas mal pour la comparaison entre les deux. Je te coupe pas la parole, c'est bon? C'est tout Vas-y, bon? ouais, tu voulais. Ouais. Moi, c'était plus parler un peu des villes, des régions, etc. Est-ce que toi, tu avais fini de ton côté? Alors,
Moi, j'ai à peu près fini. Oui, j'ai parlé grosso modo des différents aspects. Maintenant, à toi, je crois que tu veux parler des régions et des... Un petit peu des régions, etc., donner des petites D'avoir. infos assez rapidement, parce qu'après, on va prendre vos questions. On voit que vous avez été plusieurs à en poser. N'hésitez pas à continuer. Comme ça, juste après, avec ça, on vous répond. Alors, effectivement, les quatre grandes villes principales, hein, de la Nouvelle-Zélande, la majorité des gens arrivent à Auckland, qui est une ville qui est grande, mais quand même à taille humaine. Il ne faut pas s'attendre en Nouvelle-Zélande à des grandes villes vraiment comme on peut parfois en connaître. Il y a Wellington qui est la capitale, qui est surnommée Windy Welly, parce qu'il y a beaucoup de vent dans cette ville. Moi, j'ai bien aimé cette ville. J'ai trouvé ça vraiment chouette comme cadre. Alors, je suppose qu'à Auckland, c'est sans doute la même chose, mais à Wellington, j'ai tenté comme ça d'aller marcher du centre-ville vers les plages et je me suis retrouvée en forêt. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de sentir que les grandes villes étaient quand même assez rapidement dans un environnement hyper naturel. De toute façon, c'est ça la Nouvelle-Zélande, hein. C'est voilà. Et très rapidement, la nature est là et si vous aimez la nature, ça vous plaira énormément. Dans l'île du Sud, vous avez Christchurch, qui est une ville où j'ai moins d'affect avec cette ville, mais il faut dire aussi qu'elle a été plusieurs fois abîmée par des tremblements de terre. Et du coup, il y a moins de gens qui en parlent comme un coup de cœur, un endroit où ils ont vraiment aimé vivre. Mais peut-être que vous, ce sera l'inverse. Hein, donc, bien évidemment, n'hésitez pas à y aller. Par contre, autour, il y a quand même beaucoup de choses à voir et à faire. Donc voilà, c'est quand même la troisième ville, je dirais, du pays. Et puis après, on peut mentionner Queenstown, si on devait en nommer que quatre, qui est au sud de l'île du Sud, qui n'est pas grande du tout. C'est plutôt une ville, une station de ski un peu plus grosse quand même. On adore, on déteste. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé parce que j'adore le cadre. Je trouve ça vraiment très, très beau, avec une brume assez basse, les montagnes. Moi, je sais que c'est des paysages qui me touchent. Et puis, il y en a qui trouvent que c'est trop un peu, peut-être la fête ou je sais pas trop. Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses de Queenstown, mais j'ai toujours entendu deux avis différents. D'abord, Queenstown, ça devient une grosse ville en fait. Oui. Depuis des années, les quartiers, ça se développe énormément dans toutes les vallées autour de Queenstown, vers Frankton, vers Harrowtown et tout ça. Donc, ça devient une grosse ville. La grosse difficulté pour les backpackers que vous aurez tous, c'est que en fait, comme la ville est devenue une destination phare pour les Australiens, les Néo-Zélandais qui s'achètent des maisons de vacances et compagnie, c'est vraiment une ville de villégiature. Eh bien, on a un mal de chien à trouver en fait, des hébergements. Donc ça va être la difficulté. Vous pourrez trouver du boulot. Il y a beaucoup de boulot là-bas, dans les hôtels, dans les cafés, en saison, dans les stations de ski. Mais pour s'héberger, ça devient un vrai problème. Donc certains employeurs maintenant hébergent eux-mêmes leur staff. Parce que sinon, on ne peut pas y rester. Dormir dans son van la nuit en hiver, c'est impossible. Enfin, donc, en fait, ouais, Queenstown, c'est une ville canon. Moi, on adore Queenstown. Enfin, comme tu dis, le paysage sont extravagants. Vous êtes entouré de montagnes à pic, les Remarkables, ce sont du grand lac. Et puis, il y a quatre stations. On peut aller à quatre stations en 1 heure de route. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est la ville des sports extrêmes. Donc, c'est vraiment Exactement. une destination fantastique, mais qui peut, pour les backpackers, enfin pour les PVTistes, être difficile d'approche parce que C'est ça. pour trouver un hébergement. Mais ça, ouais. C'est ça, faut l'envisager ou alors y aller plutôt en été pour travailler en ayant son propre van et aller se garer plus loin où c'est possible de dormir par exemple. En termes de régions, alors il y a beaucoup de régions, le pays est découpé en pas mal de choses et là on va vous mettre un lien vers le site de Frogs in NZ qui a bien découpé par l'île du Nord, les différentes régions et l'île du Sud également. Et puis on complétera avec un passage de notre guide des PVTistes en Nouvelle-Zélande où on a repris ces régions mais en les présentant moins, mais en disant ce qu'il faut faire dedans. Donc vraiment, les deux liens sont complémentaires, parce que là, effectivement, si on devait tout détailler, je pense que ça nous prendrait un maximum de temps. Donc juste pour vous dire, voilà, un petit peu ce que Seb vous a dit tout à l'heure, entre l'île du Nord et l'île du Sud, c'est hyper différent. Au sein même des îles, c'est hyper différent. On va rappeler qu'en Nouvelle-Zélande, on n'est jamais à plus de 130 km de la mer. Ça vous montre que sur une année de PVT, ou même 9 mois, ou même 6 mois, difficilement moins, je dirais, on a le temps. En tant que PVTiste, d'explorer énormément de parties du territoire. Je ne vous dis pas que vous ferez forcément tout, parce qu'il faut quand même le temps, l'argent, etc. Mais vous pouvez voir beaucoup de choses. C'est un pays pour ça qui est vraiment chouette, comparé peut-être à l'Australie ou au Canada, qui sont tellement immenses, qu'on a du mal à... Des fois, on est obligé de faire vraiment l'impasse sur tout un côté du pays. Alors que là, en Nouvelle-Zélande, vraiment, ce n'est pas le cas. Vous ferez sans doute des choix, mais vous aurez l'occasion de voir beaucoup de choses. En termes d'activité.
La randonnée, bien sûr, si vous aimez randonnée, vous allez vous faire plaisir. Il y a des randonnées de quelques heures, d'une journée, de quelques jours où vous allez dormir soit en camping, soit dans des huts, les abris de montagne. Je parlais tout à l'heure du Te Araora Trail qui parcourt tout le pays, bon, qui peut être fait par tronçon, mais sinon on parle de 2 ou 3 mois, même plus peut-être, de randonnée. Tu as dit quelque chose, Seb? 3 mois, ok. Et puis ensuite, alors, on le disait, Queenstown, mais il n'y a pas que là qu'on peut en faire. C'est la ville des sensations fortes, soit en parachute, soit à l'élastique, parapente et même plein d'autres choses qu'on ne soupçonne pas. On vous a proposé sur PVTiste un dossier sur les sensations fortes en Nouvelle-Zélande. Vous verrez, ils ont des trucs, des grandes balançoires. Si vous avez le vertige, c'est infernal, etc. Donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Là aussi, c'est un petit budget, hein. Donc, quand je vous disais en introduction de penser à avoir un budget suffisant pour vous amuser, s'il y a des choses que vous avez vraiment envie de faire, notamment là-bas, moi, j'ai sauté en parachute à Queenstown, de là-haut, c'est incroyable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sauter en parachute ailleurs, mais bien sûr que non. Mais quand même, là, niveau paysage, vous êtes, en plus des sensations fortes, vous avez vraiment un super panorama. Si vous êtes intéressé par la culture maori ou si ça vous intrigue parce que vous ne la connaissez pas, ce séjour en Nouvelle-Zélande sera vraiment l'occasion d'approfondir des choses, surtout sur l'île du Nord, plus que dans l'île du Sud, je dirais. Vous avez aussi notamment à Wellington un grand musée qui est gratuit, si mes souvenirs sont bons, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. C'est passionnant. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous ferez peut-être des rencontres avec des gens qui vous expliqueront des choses. Vous pourrez vous documenter sur place, c'est très intéressant. Vous avez aussi des lieux, justement, par rapport à la culture maori, des lieux forts spirituellement. Je pense à Cap Reinga dans le nord, Spirit Bay, etc. Si vous êtes sensible à tout ça, à toutes les histoires, à Cap Reinga, en gros, on dit qu'il y a les 2 océans se rencontrent. Il y a toute une symbolique. On a fait un article, hein, là-dessus sur PVTiste. Ça peut vraiment vous plaire. Ensuite, sans tout mentionner et vous dire où ça se trouve, j'ai noté des choses à faire et à voir en Nouvelle-Zélande. Les fjords, bien sûr, Milford Sound, Marlborough Sound. Plus éloigné, plus cher, mais magnifique. Les volcans, hein, de Tongariro, Taranaki, des belles plages comme la 90 Miles Beach, mais il y en a même d'autres. Il y a des sources d'eau chaude naturelles, il y a des grottes avec des vers luisants verts, du coup, c'est magnifique à l'intérieur. Il y en a des payantes, mais on vous a donné aussi dans un article sur PVTiste des endroits où vous pouvez le faire gratuitement. C'est peut-être un peu moins waouh, mais c'est quand même déjà bien. Vous avez des dunes que vous pouvez dévaler en bodyboard. Il y a des forêts, notamment de kauri, qui sont les arbres les plus gros du monde, pas les plus hauts parce que ça c'est les séquoias, mais les plus gros, très impressionnants. Vous avez bien sûr tout ce qui est Hobbiton, hein, les sensations de comté du Seigneur des Anneaux dans le nord, dans l'île du Nord, pardon. Vous avez des lacs comme Taupo, Te Kapo, Pukaki qui sont magnifiques. Il y a des chutes d'eau. Vous pouvez surfer, vous pouvez voir des baleines, des phoques, notamment à Kaikoura. Vous pouvez aller à Rotorua découvrir l'activité géothermique dont Seb vous parlait tout à l'heure. C'est une ville, Rotorua, qui sent le soufre toute l'année. Et donc, vous pouvez visiter des parcs géothermiques avec des bassins très colorés, jaunes, etc. Où, bien sûr, il ne faut pas aller dans l'eau. C'est vraiment très, très, très contaminé. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais déjà très chaud. Voilà, certains sont très chauds, certains sont à 90 degrés, Voilà, et c'est ça. d'autres, c'est des mines, ça, c'est des, oui, c'est des produits chimiques, on va dire, nocifs. Donc, il faut pas. Exactement. Donc super intéressant. Et puis aussi, je peux mentionner la région d'Abel Tasman, à laquelle on a consacré un article sur notre site, 8 raisons d'aller dans cette région en termes de tourisme, mais aussi d'emploi. Et puis il y a plein d'autres régions, la région des Katlin, dans le sud de l'île du Sud, qui est moins connue, peut-être moins waouh, plutôt sauvage. Encore une fois, en fonction de votre tempérament et de ce que vous aimez faire et voir, vous trouverez forcément quelque chose en Nouvelle-Zélande qui vous plaira, grosso modo. Voilà, j'avais juste noté simplement, depuis quelques années, ça s'est un petit peu compliqué sur les Great Walks, les grosses randonnées de la Nouvelle-Zélande. Il faut bien réserver à l'avance ses places en refuge. C'est devenu plus cher aussi. Donc voilà, on a un dossier également sur les Great Walks, en sachant qu'il n'y a pas que celles-ci qui existent, c'est les plus incroyables de Nouvelle-Zélande, mais il y en a d'autres moins connues qui sont pas, qui n'ont pas le label Great Walk, mais qui sont bien aussi. Et puis, je vous invite à aller régulièrement sur le site du iSight, les iSight de Nouvelle-Zélande. C'est en gros des visitor centers, des centres pour les voyageurs. Il y en a une soixantaine dans le pays. Ça vous permet d'avoir plein d'informations, notamment quand vous entamez une rando. Ils peuvent vous dire. Une rando de 3 jours, peut-être qu'aujourd'hui tout va bien et demain c'est tempête de neige et ils vont vous dire n'y allez pas, par exemple. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions.
pour vous donner un maximum de réponses là-dessus. Et on va revenir un petit peu sur l'achat du véhicule. Donc, cette question va être pour toi. Du coup, avec tout ce que tu as dit sur le diesel et sur l'essence, avec les RUCs, là, les RUC, etc., tu penses que c'est quoi? Vaut mieux acheter quoi, un diesel ou en essence? Tu as fait quel choix, toi? Moi, personnellement, je préfère diesel pour la conduite, enfin pour la souplesse du véhicule et la robustesse la robustesse parce que les véhicules les moteurs sont plus simples. Mais ça c'est un choix. Il y a pas, j'ai pas d'avis tellement. Hein. Moi, à part mon avis personnel, je peux pas dire. Personne, enfin, je penserais que c'est mieux d'acheter un véhicule diesel parce que c'est des véhicules plus simples. Il n'y a pas de. Simplement par sa construction, un véhicule diesel, il n'y a pas de. Comment on appelle ça là, de spark plugs, de bougies. Pas de bougies, c'est beaucoup plus simplifié en fait comme véhicule, comme moteur. Moi personnellement, je dirais plutôt diesel, mais bon, je crois que c'est aussi pas terrible les diesels pour l'environnement, hein, parce que je crois qu'on essaie de les supprimer en Europe. Donc à voir avec votre propre. Comment dire, votre propre Sensibilité entre guillemets, oui. sensibilité, voilà, Parfait. environnementale. Oui. Je préciserai aussi, tout à l'heure, on a dit on conduit à gauche en Nouvelle-Zélande. Au début, ça peut être un petit peu déroutant. N'hésitez pas à prendre des routes assez larges pour le début. Quand vous arrivez dans un rond-point, mettez-vous dans la tête que vous allez partir par là, parce que honnêtement, ça fait bizarre. Les ronds-points, je trouve que c'est ce qui fait le plus C'est bizarre. vrai, c'est On peut-être dangereux. Ouais. a... Ouais. Au point, et aussi, moi, j'ai l'expérience qu'on a très souvent en Nouvelle-Zélande, c'est que le danger de rouler à gauche, quand on est sur la route et au bout très rapidement, on s'habitue à suivre les autres, la bande intermédiaire, tout ça, on s'y habitue assez vite. C'est pas trop, trop un problème. C'est vrai que les ronds-points, c'est au début un peu compliqué, surtout si on arrive seul et qu'on voit pour la première fois. Mais les choses, moi, j'ai remarqué que dans mon expérience, le danger, c'est le matin, on se lève. On Oui. repart sur une route de gravier, par exemple. Les routes de gravier ou n'importe quelle route. On part le matin dans une route de campagne et on n'a pas le. On se remet naturellement du En mauvais mode. côté dans un virage. Ça, c'est le vrai danger. C'est le matin quand on reprend la route dans un endroit isolé. Donc faites attention que votre partenaire, quelqu'un dise attention, tous les matins on se réveille, on revoit au véhicule, attention, on roule à droite. Ouais, c'est ça, exactement. Ne Ouais, pas ouais. se... Oui, ça, on roule à gauche, on est au volant, à droite dans le véhicule, tout est inversé, effectivement. Ma seule petite crainte lorsque j'achèterai un van, ce serait de dormir dedans et d'être safe, un peu parano, je sais. Non, pas parano, je comprends tout à fait, surtout quand on va dormir seul. Je dirais que quand on dort dans des campings, déjà, ça résout un petit peu le truc parce que on est souvent garé à côté d'autres vans, de camping-cars. Hein. Toi, tu loues beaucoup de camping-cars à des clients plutôt touristes, pas PVTistes. Non, surtout les touristes. Ouais. Donc du coup, il y a du monde, il y a aussi des gens qui campent. Je m'inquiéterais pas là-dessus. C'est vrai que si on va dormir dans des endroits isolés où on n'a pas forcément le droit de dormir, donc là, faut faire plus attention. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, personnellement, ce qu'il faut, si on n'est pas tout à fait à l'aise, ça m'est arrivé, c'est vraiment au début de notre aventure, quand j'avais notre 4x4 équipé et on dormait comme ça à la belle étoile, dans des endroits vraiment très isolés, on ne se sent pas tout à fait à l'aise. Mais le mieux, c'est avec les applications comme CamperMate ou Rankers, de trouver des endroits gratuits, par exemple, et de s'assurer qu'il y a au moins un ou deux autres véhicules autour de soi. Il vaut mieux le faire, il vaut mieux se mettre dans des endroits où il y a déjà deux, trois autres routards qui sont là, ça rassure. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a un certain nombre. Les dangers, ce n'est pas tellement les agressions, ça reste relativement très très rare, je dirais, mais c'est les vols. C'est-à-dire que si vous laissez votre véhicule dans un parking et que vous allez vous promener pendant 4-5 heures, faire une rando, emmenez avec vous toujours les choses importantes, hein. Votre laptop, tout ce qui a de la valeur, faut le mettre dans votre sac et partir avec. Parce que, il y a régulièrement des vols, ils cassent la vitre et ils piquent ce qu'il y a dedans. Et si, par exemple, vous avez vos passeports, votre laptop, votre appareil photo qui sont dedans, là, ça sera très, très. Et on a régulièrement des cas comme ça, des gens qui terminent à l'ambassade de France en essayant de se faire leur passeport et tout. Donc, je vous conseille toujours d'avoir ça avec vous. Mais sinon, en termes de dans la nuit, dormir à droite à gauche, le mieux, c'est de trouver un endroit où vous êtes pas seul, vous êtes avec d'autres routards. Oui. Et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que quand je suis allée faire le Tongariro, j'ai emporté mon ordinateur.
Ça pesait un petit peu de poids quand même en plus, tu vois, sur une rando sur 4 jours et tout. Et puis quand on est revenu, le van allait très bien. Je suis vraiment Julie, t'es parano, voilà. Bon, en fait, maintenant que je t'entends, je me dis que j'ai peut-être bien fait. Au cas où, j'aurais été tellement embêtée et dégoûtée de qu'on me vole mon ordinateur que voilà. Alors, ça m'amène à un autre sujet, qui est lié à ça, c'est que on dit souvent que quand on n'emmène rien auquel on tient trop. On est tout le temps en détente, en voyage. Alors, je ne vous dis pas de partir avec rien, mais par exemple, si vous n'êtes pas un as de la photo, n'emmenez pas un gros appareil photo. Si vous ne pensez pas vraiment regarder souvent des trucs sur un ordinateur ou travailler, peut-être ce genre de choses, l'emmenez peut-être pas. Il y a peut-être moyen de prendre un bon téléphone portable qui fera appareil photo et peut-être prendre une tablette. Vous savez, les tablettes aujourd'hui qu'on peut replier sur un petit clavier. Comme ça, si un jour vous avez besoin de refaire votre CV, d'écrire des choses, etc., vous aurez quand même un simili ordinateur. Mais par contre, une tablette à emmener dans le sac à dos en rando, c'est tout léger. Et de façon générale, ce sera pareil, une bague auquel vous tenez beaucoup, c'est votre grand-mère qui vous l'a offert, par exemple, j'en sais rien, eh bien peut-être ne pas l'emmener, des vêtements trop chers, du matériel trop cher, parce que vous serez plus serein aussi quand vous laisserez votre van. Vous n'aurez pas envie qu'on vous casse la vitre dans tous les cas, hein. Mais au moins, si vous arrivez que la vitre est cassée, vous vous dites, bon, alors ils ont pris quoi en vrai? Mon jean, un pull, voilà, vous serez tranquille dans votre tête. Faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de boutiques de deuxième main. Ça, c'est un des trucs, c'est génial pour les routards. Dans toutes les villes, ça se développe beaucoup en France, je remarque. Moi, ça fait donc 20 ans que 22 ans que j'habite là-bas. Donc, je vois l'évolution. Maintenant, il y a de plus en plus de friperies en France. Mais dans le passé, il n'y en avait pas du tout. Maintenant, en Nouvelle-Zélande, dans tous les quartiers, vous aurez soit la Croix-Rouge, soit des charities, comme on dit, ou même des friperies. Privé en fait, et on en trouve partout. On peut s'équiper pour pas cher, hein, des fringues, des trucs. Donc en fait, il vaut mieux voyager léger, arriver là-bas, et sur place vous pourrez vous acheter plein de fringues vraiment bien dans ces friperies. Moi, personnellement, je suis très client. Ouais, moi aussi. Et je crois que j'ai commencé en Nouvelle-Zélande, justement. Il me manquait des choses, j'avais abîmé des choses, je suis allée dans une Croix-Rouge. Et on parle de trucs à 1, 2, 3, 4, 5 dollars, quoi, maximum. Et il y a des choses que j'ai encore maintenant et je suis trop contente. Déjà, ça me fait un souvenir de là-bas. Et puis en plus, la seconde main, c'est vrai que du coup, on a moins un impact financier si jamais on perd quelque chose ou qu'on l'abîme ou qu'on nous le vole. Et puis en plus, ça donne à une asso. Un autre type, c'est que dans les refuse stations en Nouvelle-Zélande, il y a des endroits, par exemple, ici on appelle ça comment les déchetteries. Il y a des déchetteries qui ont des boutiques. Et certaines déchetteries, par exemple à Henderson, à Auckland, Henderson, celle qui est sur la route de l'Ouest, Henderson, la déchetterie de Henderson, refuse station de Henderson, a une grande boutique et dedans, mais c'est dingue le nombre de sacs de couchage, de tentes. D'équipements de rando, de machins qui sont. Parce que les gens jettent des trucs, les Néo-Zélandais surtout, se débarrassent parce qu'ils font le ménage. Et certaines de ces déchetteries, je crois que ça développe aussi en France, hein, j'ai vu ça, on trouve plein de matos. On peut trouver du matos, par exemple, pour équiper son van ou pour la rando. Donc, pensez aussi à ça si vous Ouais. êtes on a budget. Super, impeccable. Pour aller sur l'île du Sud, comment ça se passe pour le ferry? Alors, soit tu peux comparer les prix. Tout à l'heure, je mentionnais Inter Islander ou Blue Bridge. Pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a peut-être des gens qui sont arrivés en cours de route. Dès qu'on aura terminé, je vais aller sur notre chaîne YouTube PVTIS, tout simplement, et sous le replay de cette vidéo. Que vous pourrez partager, revoir peut-être à l'approche de votre départ, eh bien, je vous mettrai tous les liens et il y aura notamment ces deux compagnies-là. Vous comparez les prix, honnêtement, c'est le même genre de bateau, il n'y a rien qui change, ils prennent le même trajet, donc je vous dirais de prendre le moins cher. Et puis, bah, du coup, tu arrives, si tu es à pied, eh bien, très bien, tu es à pied. Sinon, tu peux mettre dessus ton van ou ta voiture. Là, ça va être plus cher. Et il faut bien penser à acheter un billet de bateau qui précise combien vous êtes comme personne et comme véhicule. Et puis, voilà, je crois qu'il n'y a rien de particulier à savoir sur le ferry. C'est assez simple. Bah, en fait, moi, nous, ce qu'on conseille, c'est surtout de le faire de jour, parce qu'en fait, tu peux faire des transferts de nuit aussi. Alors, c'est moins cher, mais tu perds vraiment comme tu disais, hein, la croisière, pas gratuite, mais la Ouais, croisière, finalement, est pas très chère exactement. pour sortir du harbor de Wellington, passer entre les deux îles, le détroit de Cook entre les deux îles, et ensuite rentrer assez longuement dans ce qui est une sorte de fjord, mais c'est pas un fjord, géologiquement, c'est pas un fjord, mais cette longue baie. Qui va vers Picton, C'est trop faut le faire chouette. de jour, quoi. C'est Tout à sûr fait que d'accord. c'est un crime de le faire de nuit.
C'est sûr. Et puis, si jamais on n'a pas beaucoup de budget et qu'on sait que sur le retour, on prendra 2 jours, pourquoi pas éventuellement le manquer, soit à l'aller, soit au retour, si ça vous permet de payer moins cher, on ne sait jamais. Quelqu'un qui a bien retenu ce que tu as dit tout à l'heure et qui dit l'eau est froide comment dans l'île du Sud? On parle de quoi, la Bretagne? En fait, on parle de 15, 12, 15 degrés. 12, 15 degrés. Ça peut-être monter peut-être à 17, 18, à tout péter en été, peut-être sur la côte est. Mais autant à Auckland, par exemple, et dans toute la côte, on va dire pratiquement toute la côte est de l'île du Nord, ça monte à 22 degrés, on va dire 21, 22, 23 dans le port d'Auckland, par exemple. Et on va dire 20, 21 sur la côte ouest. Mais l'île du Sud, ça dépasse jamais. Moi, personnellement, je me suis baigné une fois ou deux à Dunedin, qui est une des îles du sud de l'île du Sud. Mais bon, c'est le challenge, quoi. Hein. C'est donc 15, 16 degrés, quoi. Oui, c'est ça, ça fait quand même pas beaucoup. Alors, c'est vrai que dans l'île du Nord, c'est quand même, enfin, j'ai des souvenirs, j'ai même des souvenirs vers le mois de mai, je crois, où on était dans le nord de l'île du Nord et on était en débardeur short. Et j'ai une copine qui était dans le nord de l'île du Sud, à Nelson, et elle allumait le chauffage. Je donne souvent cet exemple, je radote un peu hein, pour ceux qui nous écoutent souvent, mais je trouve que c'est parlant. C'était deux salles, deux ambiances, elle et moi. Complètement. À Auckland, l'été dure, on va dire, ça dépend des années. L'année dernière, on a eu un été abominable, enfin, qui vient de se terminer, Ouais. là. Mais sinon, on va dire de novembre à fin mai, on va dire que c'est pratiquement l'été et qu'on va pouvoir se baigner. On se baigne encore fin mai à Auckland et on est même en t-shirt short, comme tu dis, jusqu'à fin mai. Alors que dans l'île du Sud, à partir de fin février, mars, déjà, on sent l'automne. C'est beaucoup plus comme, on va dire, le nord de la France. L'automne arrive, les feuilles tombent, on commence à avoir froid le soir. Donc, c'est vraiment deux ambiances très différentes, hein, entre le nord de Effectivement. l'île du Nord et le reste de la Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Quels sont les endroits du pays où on peut le mieux découvrir la culture ancestrale néo-zélandaise? Je suppose que tu veux dire tout ce qui est culture maori. Alors dans ce cas-là, on va te donner en lien une page du site newzealand.com, hein, qui est le site de l'Office du tourisme néo-zélandais qui peut te donner quand même pas mal de pistes. Je parlais tout à l'heure du musée de Wellington qui s'appelle le Te Papa Tongarewa, qui peut permettre aussi de découvrir des choses. Je suis toujours un petit peu sceptique sur certains tours qu'on peut faire, certaines activités payantes où tu vas voir des locaux. Moi, j'avais plutôt vu ça en Australie avec les aborigènes et j'avais toujours l'impression, je sais pas, je me demandais si c'était pas mis en scène, etc. Donc, regardez peut-être un petit peu s'il y a des musées, des expos, des événements culturels. Regardez un petit peu l'agenda maori. Et puis après, en rencontrant, tu peux parler. Moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, à un moment donné, j'ai passé quelques semaines dans une petite ville qui s'appelle Katikati, hein, qui n'est pas connue, qui n'est pas très loin de Tauranga, dans le nord-est de l'île du Nord. Et en fait, on avait des collègues, enfin, moi, je ne travaillais pas du coup, hein, je travaillais sur pvtis.net, je mettais à jour notre contenu, j'interviewais des gens, etc. Mais les autres travaillaient dans les kiwis. Et donc, on avait des collègues qui vivaient avec nous dans l'auberge de jeunesse. Donc, on a pu parler avec eux, prendre le temps. Et puis, moi, j'étais avec d'autres voyageurs français qui ont pu, moi, quand je suis partie ensuite, aller dans les familles, etc. Et c'est là où on apprend le plus de choses. C'est ça, prendre le temps et vraiment, je dirais plus dans l'île du Nord quand même, hein. Bien sûr, l'île du Nord, mais surtout, alors c'est vrai, comme tu disais, il y a des régions comme Rotorua qui est un peu, on appelle ça le cœur maori, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'activités un peu touristiques avec des spectacles organisés. Pour la moitié des gens, ils trouvent ça horrible et pour l'autre, ils trouvent que c'est pas mal parce que ça leur donne un aperçu un peu finalement simplistique de la culture. Mais c'est là où la culture, où il y a le plus de maori, on va dire, pour la proportion de la population, c'est la côte est, c'est le East Cape. Donc, c'est la pointe est de l'île du Nord. Et là, si vous faites un road trip dans cette East Cape, vous verrez vraiment des Maoris qui vivent, on va dire, enfin, évidemment, ils sont pas, on va dire qu'ils sont pas comme dans des temps ancestraux. Mais les communautés maoris sont beaucoup plus originales, on va dire, plus entre elles, sur la East Cape, donc qui est la pointe est de l'île du Nord. Tout à fait. Est-il possible de rester un mois au même endroit pour dormir dans son van en cas de travail au même endroit, par exemple? Sinon, comment faire? Alors, je dirais oui. L'exemple que je donnais dans l'auberge de jeunesse de Katikati, là, il y avait un parking et donc les gens garaient leur van là. Le truc, c'est que soit tu garais ton van et tu dormais dans l'auberge et tu payais l'auberge. Je pense qu'ils auraient accepté que des gens dorment dans leur van. Je sais qu'il y en a qui le faisaient, à condition de payer un peu. Tu vois, comme un.
Voilà, tu ne payes pas autant que les gens dans l'auberge, mais tu payes un peu pour garer ton van là. Après, il peut y avoir parfois sur le domaine, sur la ferme, il peut y avoir la possibilité de se garer gratuitement ou moyennant un tout petit peu, par exemple, pour avoir accès à des douches ou ce genre de choses. Donc, je dirais que ça dépend de où tu es et du contexte. Si tu bosses dans une entreprise en ville, là, la question de où garer son van va se poser. Oui, c'est certain. Ouais. Parce que la plupart des lieux gratuits, par exemple, de stationnement, tu n'as pas normalement le droit de rester plus de 3-4 jours. Mais bon, maintenant, est-ce que c'est surveillé? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que en fait, dans certaines régions, par exemple dans le Marlborough, ou les endroits où il y a beaucoup soit de vignobles ou de cultures maraîchères, où ils ont besoin de main-d'œuvre, les backpackers, les gens qui organisent le travail des routards, vont aide à l'ensemble en fait. Ils vont vous trouver des solutions pour mettre votre van soit dans un backpacker ou alors ils vont et donc c'est d'ailleurs dans certains de ces backpackers, il suffit que vous vous pointiez dans ces backpackers, dans ces par exemple à Blenheim ou on va dire comme tu disais à Katikati, vous allez dans certains backpackers, ils organisent eux-mêmes le travail pour vous. Oui. En fait, ils sont dans un sens recruteurs, enfin ils sont pas recruteurs mais ils ont les liens vers tous les recruteurs et vous pouvez rapidement trouver du boulot si c'est votre choix. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aborde pas la partie emploi. J'ai vu qu'il y avait quelques questions parfois qui étaient sur autre chose. On s'est focalisé sur le voyage, les moyens de transport, l'achat du véhicule, etc. Mais n'hésitez pas à aller passer encore une fois sur nos deux sites. Il y a beaucoup d'informations sur tous les sujets. Quelqu'un nous pose une question très pertinente. C'est vrai que je n'avais pas pensé à faire ça. Est-ce qu'il existe un moyen de faire quelques heures de conduite dans un endroit comme une auto-école locale, histoire de prendre la main avec la conduite à gauche? Non. Tu penses pas? Ah ouais, j'aurais dit bonjour, est-ce que je peux? J'aurais pensé qu'il me dirait oui. Je crois pas. Enfin, je vois pas. D'abord, des auto-écoles en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas le même système qu'en France. Les gens apprennent. Oui, Enfin, quelqu'un. tu peux prendre des cours dans auto-école, mais ce n'est pas du tout le même système qu'en France. Donc, je ne pense pas que tu puisses faire ça. Le mieux, c'est d'aller doucement, de commencer dans un quartier d'Auckland tranquillement. Prends ta main ou tu te mets sur un parking. Enfin, je Ouais. pense qu'il y a d'autres méthodes, mais de manière officielle, tu pourras pas. Ça me paraît difficile d'organiser ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où c'est des voitures automatiques, où il n'y a pas vraiment cette notion autant de prendre des cours de conduite. Je pense aussi au Canada ou ailleurs. Parfois, si tu as quelqu'un qui peut t'apprendre, tu peux monter dans une voiture avec ton frère ou quelqu'un comme ça et il va t'apprendre. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Moi, je sais que j'ai conduit la première fois en Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud. Du coup, je suis arrivée à Picton, donc après le ferry. Et Picton, c'est une toute petite ville avec des rues assez larges. Du coup, j'étais contente de tester là et non pas en plein milieu d'un carrefour, etc. Et puis, au final, enfin, assez vite, j'ai fait, ah, mais en fait, ça va. Parce que c'est juste, comme je vous ai dit, les ronds-points partir à gauche, ça, c'est le petit automatisme. Et puis, c'est vrai qu'on a peur à droite de toucher. Enfin, en fait, c'est juste qu'on est à gauche, pardon. Comme on est à droite dans la voiture, ben, on a très vite, quand on croise une voiture, on a peur de la toucher. Mais il faut juste prendre un petit peu le pli. Mais pour avoir déjà été dans une voiture en Irlande, je vois que quelqu'un parlait d'Irlande, pour le coup, il y avait des rues tellement serrées que là, j'étais beaucoup plus stressée qu'en Nouvelle-Zélande où ça va, c'est quand même assez confortable. Peut-être pas avec un van. C'est vrai que là, il faut peut-être un peu prendre le coup demain, mais si tu roules un peu, ça va le faire. Ça se prend très vite, sincèrement. C'est pas un problème. Nous, je veux dire, on organise des voyages pour des gens qui viennent que 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Ils prennent des gros camping-cars, ils prennent des vans, ils prennent des voitures. Ils arrivent à l'aéroport, ils sont jet lag, ils ont 24 heures d'avion et ils partent. C'est Ouais. très rare que les gens. Alors évidemment, les 2 premiers jours, ils sont un peu. Mais on apprend assez vite. À partir du moment où on suit les gens devant, on se fait assez rapidement. Moi, la seule difficulté que je trouve, comme je disais, c'est le matin. Quand on part sur une route où il n'y a pas d'autres véhicules, c'est le danger de reprendre sa vieille habitude. Mais sinon, vous verrez, on prend très rapidement le pli. Ouais, tout à J'ai fait. juste une question là, je vais répondre à la personne. Je Bien sûr. vois la déchetterie à Auckland. Alors, ce n'est pas Henderson, Anderson, c'est Henderson. Henderson. Et donc, ça s'appelle Refuse Station. Je crois que ça sera, si tu cherches Refuse, Refuse, Refuse Station, Henderson. Donc, Henderson, tu trouveras ça. Ouais, c'est ouvert pratiquement tous les jours de la semaine. Impeccable, merci pour ce bon plan. D'ailleurs, Nicolas nous disait, ah ben ça va, 15 degrés pour l'eau en Irlande, elle est à 7. Donc, bon, là aussi.
On n'est pas tous warriors pareils. Et d'ailleurs, on va rester dans l'eau pour la prochaine question. Est-ce que c'est possible de se baigner dans l'île du Nord sans risque d'attaque de requins? C'est une très bonne question. On en parle beaucoup pour l'Australie, mais ça dit quoi en Nouvelle-Zélande? C'est très, 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 très rare. Oui, on C'est entend très, bien. très, 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 très rare. Moi, je fais beaucoup de voiles dans tout le nord de l'île du Nord. Je saute à l'eau n'importe où. On a pêché un jour un petit requin, OK, un truc d'un mètre, mais il y a très, très, très rarement des attaques de requins. Je pense que c'est pas vraiment. Alors, je vais pas vous dire d'un seul coup, on dit ça et puis. Mais je crois qu'il y en a eu un l'année dernière. Les attaques sont très, très rares malgré tout. Donc, maintenant, si vous êtes vraiment très peureux, bah, ça peut être un souci pour vous, mais ça reste quelque chose. C'est pas du tout comme l'Australie. La Nouvelle-Zélande n'a pas les problèmes de requins et d'autres animaux dangereux qu'à l'Australie. C'est l'opposé. Totalement l'opposé. Et du coup, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un revers de la médaille, en termes d'animaux mignons, ils sont aussi beaucoup en Australie. Les quokkas, les koalas, les kangourous, les wombats, etc. En Nouvelle-Zélande, pardon, c'est vraiment pour les fans des oiseaux. Et puis sinon, après, il y a quoi? Des possums. Alors, les oiseaux, dont certains sont durs à voir d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, finalement, en Nouvelle-Zélande. Bah, vous verrez, en fait, maintenant, on va voir des biches, des chamois en montagne, enfin, ce qu'on a amené, hein, des tards, ce qu'on a amené d'Europe et d'autres pays. Mais sinon, oui, beaucoup de moutons, beaucoup de vaches. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, c'est vrai que les oiseaux, en fait, sont parfois assez silencieux. D'ailleurs, on va dans le bush, on est assez étonné que ça soit pas bruissant de cris d'oiseaux. Il faut aller dans certaines réserves naturelles pour en avoir beaucoup plus, une plus grande concentration, parce que l'impact de l'homme et de tous ces nouveaux prédateurs a quand même beaucoup détruit une grande partie de tous ces oiseaux natifs, dont le kiwi, qui sont dans certaines réserves et à certains endroits du nord et du sud. Mais bon, c'est sûr. Ce que vous verrez, surtout en fait, ce qui est curieux, c'est qu'en ville, il y a énormément d'oiseaux. Alors, vous avez un mélange des oiseaux natifs comme les tuis. C'est-à-dire, quand vous entendrez un bruit comme R2D2, Oui. il y a R2D2 qui est dans un arbre, c'est un tuis, c'est un oiseau noir, enfin noir en fait, bleuté noir, avec une petite houppette blanche sur le devant. Ils font toutes sortes de bruits extraordinaires, donc ils sont partout en Nouvelle-Zélande, vous les verrez en ville, vous les verrez à la campagne. Sinon, vous verrez des parakeets qui viennent d'Australie, donc des petits perroquets colorés. Vous verrez toutes sortes d'oiseaux, mais c'est vrai que dans le bush vous paraîtra assez silencieux. Oui, Il y a un exactement. oiseau qui est très sympa, c'est le fantern. Il a petite queue en éventail qui, Oui. lui, va volter autour de vous. Enfin, vous verrez, on fait des rencontres sympas au niveau ornithologique, si on peut dire C'est ça. clair. Pour ceux qui s'intéressent vraiment, c'est super. Et tu as raison, ces petits oiseaux, moi, j'en ai eu et c'est sympa. Et puis, j'ai rencontré des Kea aussi, enfin, Kia. Et alors, eux, c'est un sketch. Enfin, on va vous mettre un lien vers un article chez nous. Ils sont très intelligents et ils sont en mode manipulation pour obtenir des trucs de votre part. Ils font des petits bruits limite de bébé. Et pendant que. Alors, ils aiment bien faire de la distraction. Pendant qu'il y en a un qui va faire. Mais vraiment des bruits trop mignons. L'autre va rentrer dans le camper van de quelqu'un pour voler de la nourriture et tout. C'est vraiment. Ils sont fascinants, ces oiseaux. Moi, je suis trop, trop fan. Mais c'est vrai qu'il faut s'en méfier. C'est des perroquets, ouais. C'est des perroquets de montagne. Voilà, Ouais, c'est perroquet de montagne, ok, ça, c'est la même chose. D'accord, ben ouais, ils sont verts et tout, super beaux, mais en tout cas, vous pouvez passer un moment à les observer, surtout s'il y a des humains à côté, vous allez voir leur cinéma, là, c'est assez sympa. Là, il y a une dernière question, je pense qu'on va prendre, qui n'est pas vraiment sur le sujet du jour, mais comme on parlait de culture maori, j'aimerais quand même la prendre. Il y a Barbara qui nous demande si c'est possible, difficile en tout cas, de trouver un volontariat dans une famille maori. Donc, Barbara a parlé de woofing. C'est vrai que dans les réseaux de volontariat, on connaît beaucoup le woofing, qui est plutôt des fermes biologiques. Il y a aussi Workaway, qui marche très bien, et Help Exchange, qui marche bien aussi. Là, j'ai fait un petit test Google, j'ai tapé Workaway. NZ Maori, et je suis tombée tout de suite sur une annonce. Alors, il n'y en a peut-être pas beaucoup, il faudra regarder. D'une annonce d'une personne qui s'appelle Lisa et qui dit vous avez envie de partager notre belle culture maori, nanana, venez faire un volontariat chez nous. Donc, je pense que c'est possible. Il y a sans doute beaucoup de gens qui veulent le faire, mais peut-être en anticipant un petit peu, ça demande, je sais pas, 2 mois avant, quitte à ce qu'ils vous disent c'est trop tôt. Et dans ce cas-là, vous les recontacterez, mais je pense que c'est quand même envisageable de le faire. Tout à fait. Le woofing et LPX, maintenant, c'est la variété de travaux que vous aurez à faire. Ça, c'est
ça s'est largement éloigné en fait simplement de la ferme. Ça se trouve en ville, ça se trouve chez des commerçants, ça peut se trouver chez des particuliers. En fait, beaucoup de gens au-delà des fermes utilisent le système pour accueillir des jeunes qui les aident dans leur jardin ou dans leur business et en échange loger nourri. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment une expérience qu'on vous recommande chaudement. C'est ça, et puis parfois dites-vous que pour un emploi, l'employeur ne va pas vous embaucher parce que vous n'avez pas d'expérience, alors qu'une petite structure ou une famille en volontariat pourrait vous former, vous apprendre à faire des choses. Et du coup, bah, ça peut être sympa d'apprendre des nouvelles compétences ou de découvrir un métier, même si ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire après. Je trouve qu'on en ressort forcément plus riche aussi, dans tous les cas. Eh bien écoute, je pense qu'on est arrivé au bout. Donc, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. C'était très intéressant. Je pense qu'on a vraiment traité pas mal de choses. Évidemment, c'est toujours à aller creuser derrière pour la partie touristique, pour la partie achat ou location d'un véhicule selon vos projets. Mais je pense qu'on a vraiment fait une belle introduction qui, on l'espère, vous a été utile. Ouais. Merci Julie. Ouais. Je voulais aussi dire qu'on a aussi des blogs sur nos sites. Hein. On a le site Frogs Voyage et puis PVT. En fait, on a deux sites et puis derrière, on a des blogs avec beaucoup, beaucoup de partage d'expériences de PVTistes ou de voyageurs qui vous donneront des infos sur plein de trucs sur lesquels qu'on n'a pas encore abordé. Donc, Tout à fait. PVTistes et Frogs, c'est des sources infinies. Je pense que vous Oui. passez une nuit entière à lire des expériences, des bons plans et tout ça. En tout cas, Etc. merci Julie et merci à PVTiste. Merci à toi. Et Et puis on puis, se bah, verra peut-être en réserve à nouveau. ouais, tout à fait. Puis, bah, bon retour dans une petite semaine en Nouvelle-Zélande. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui t'envient. Profites-en bien et puis Merci. on reste en contact. À très vite.